Bonjour à tous. Ah, ben voilà. Bonjour. Bonjour. Nous sommes Renaud et Antoine, nous sommes frères, et nous sommes les cofondateurs de Boarding Ring. Nous sommes venus vous proposer d'investir 350 000 euros contre 15% des parts de notre société. Ce qui vous est proposé, c'est surtout la possibilité d'avoir un impact direct sur la santé de dizaines de millions de personnes à travers le monde. Boarding Ring est une société spécialisée dans le mal des transports. Nous avons créé la solution Boarding Glasses, une paire de lunettes avec du liquide qui donne un horizon artificiel dans le champ visuel de l'utilisateur. Ok. Cet horizon artificiel supprime le conflit sensoriel qui est responsable du mal des transports que ressentent 30% de la population mondiale. Ah oui, ok. C'est notre père qui a eu l'idée. C'est une idée originale, bien plus performante que n'importe quelle solution disponible actuellement sur le marché. Depuis 2015, nous avons vendu plus de 50 000 paires de lunettes. Tout se passait extrêmement bien. Les retours clients étaient dithyrambiques et la croissance s'accélérait d'année en année. Et puis, le Covid est arrivé. En 2 ans, nous avons perdu 90% du chiffre d'affaires. Mais on a su relever le défi. À force de travail, on est en train de redresser la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être entrepreneur, avant de fonder Boarding Ring, j'ai été judoka international, notamment médaillé européen dans l'équipe de France de Teddy Riner. J'étais pas forcément le judoka le plus doué de ma génération, au niveau technique, mais j'avais la réputation de ne jamais rien lâcher. Et je pense que cet état d'esprit, je l'ai transmis à Boarding Ring. On a certainement fait des erreurs, c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui devant vous, qu'on sollicite votre accompagnement. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'on ne lâchera jamais l'affaire. Alors aujourd'hui, Boarding Ring a besoin d'une nouvelle dynamique. Et cette dynamique passera par le lancement d'un nouveau produit, la version enfant de nos lunettes. Bah, ça, je vais dire. Depuis quelques semaines maintenant, une trentaine de familles a pu tester un prototype de ces lunettes et les résultats sont juste incroyables. Mais pour tout ça, vous l'avez compris, on a besoin de vous. Alors, si vous souhaitez changer la vie de Maëva, d'Inès, de Gaspard et de millions d'autres enfants, et si ça vous branche d'accompagner une équipe déterminée, résiliente, mais avant tout humaine, alors on sera très heureux de vous avoir à nos côtés. Merci. Ça, c'est fait déjà. Est-ce qu'on peut voir les lunettes? Oui. Ça ressemble à quoi? Du coup, on a pris une paire de lunettes pour chacun d'entre vous. C'est intéressant que vous ayez dit que vous ayez lancé ce projet enfant, parce que c'est la première question que j'aurais posée. Parce que c'est évident que là, il y a un besoin. Tous ceux qui ont fait de la voiture avec des enfants savent que, effectivement, là, c'est plus 30%, le taux est beaucoup plus élevé. C'est plus élevé chez les enfants, oui. Ouais. Merci beaucoup. Elles ont toutes une tête, tes lunettes. Mais il existe en pharmacie des lunettes déjà, parce que moi, par d'expérience, j'en ai acheté pour ma fille. Alors, ça, c'est une technologie qui est brevetée. Donc, on est les seuls à proposer ces lunettes contre le mal des transports. Si vous les avez achetées en pharmacie, c'est très certainement celle-ci. Ah, c'était vous alors déjà? Oui, tout à fait, oui. Ah oui, bah voilà, bah, vous avez un client en face et un client satisfait. Ah, ouais. C'était notre père, oui. C'est énorme. Et vous avez des preuves scientifiques, des études qui ont été menées, que le fait d'avoir ce liquide devant les yeux... On n'a pas d'études scientifiques aujourd'hui qui montrent l'efficacité des lunettes. Il y a une étude actuellement en cours à l'Université de Toulon qui propose de très bons résultats pour le moment, mais elle n'est pas encore finie. C'est vous qui l'a menée? C'est en partenariat, oui. Et ça fonctionne contre le mal de mer? C'est ça, c'est tous les transports. En fait, c'est le même problème dans toutes les situations, que ce soit le mal de mer, en voiture, en train ou en bateau. Ce que je comprends, lisant votre notice, c'est qu'on n'est pas obligé de les porter tout le temps. C'est-à-dire exactement, c'est ça la bonne nouvelle. On les porte pendant 10 minutes, c'est ça? C'est ça, on les met à l'apparition des premiers symptômes. En fait, c'est extrêmement simple. On n'est pas bien, on commence à se sentir pas très bien, c'est le moment de les mettre. En 10 à 12 minutes, en général, c'est ce qu'on a observé, on va beaucoup mieux. Et là, ben, comme on va bien, on n'a pas besoin de les garder, on peut les enlever. On va pouvoir vous faire une petite démonstration avec un enfant, c'est ma fille, pour vous montrer à quoi ça ressemble sur le visage, ce que ça donne quand on roule et ce à quoi pourrait ressembler le modèle définitif. Parce que là, ce qu'on vous propose, c'est le prototype de la version enfant. La passagère arrive. Mignonne. Elle est là. Ah. Je vous présente Prune, ma fille. Bonjour. Qui a 4 ans et demi, qui va vous faire la démonstration. Bon, ben, on peut voir cette petite démo. Je vais l'amener. Hop, on va prendre tes petites lunettes roses. Tu viens, on va aller dans la voiture là-bas. Ah oui. Ah, vous allez dehors. Oui, bah, c'est une vraie démonstration, une vraie voiture, etc. On voit que les modèles sont différents, finalement. Exactement. De ceux les siens, ils font ça comme ça. Le modèle enfant et le modèle adulte n'est pas du tout le même. Au-delà d'une question de taille, c'est une question de champ visuel. Les enfants ont un champ visuel qui est beaucoup plus réduit que les adultes. En fait, ils regardent vraiment devant et pas sur les côtés comme les adultes. C'est pour ça que c'est important de leur dire de regarder avant de traverser la route.